Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous savez quelle vidéo c'est, puisque nous sommes dimanche. C'est le journal créatif de la semaine. Alors, le journal créatif de la semaine, je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Voilà, en une seule vidéo, je ne fais pas de vlog. J'aime bien les regarder, mais bon, j'ai pour moi, faire des vlogs, c'est comment? C'est un peu compliqué, voilà. Parce que bon, moi, Chouchou est toujours là. Et je peux faire que des vidéos comme ça, où je parle, sauf si je vais en haut. J'aime bien les faire quand je suis toute seule, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc, ça peut être en diamond painting, en broderie, en tricot, en crochet et d'autres loisirs créatifs, si j'en ai fait d'autres pendant la semaine. Cette semaine, alors bon, j'ai eu le temps de faire quand même pas mal de choses cette semaine, enfin, un peu comme d'habitude. Mais bon, cette semaine, je n'ai pas bougé de la maison depuis... Quand est-ce qu'il a neigé? Mardi, mercredi? Oui, je crois. Mardi, je crois. Je ne sais plus. Je suis pas sortie de la maison. Enfin, pas dans ma cour ou sur le devant. Mais je veux dire, je n'ai pas été faire de course, rien du tout. Parce qu'avec la neige, je suis pas bougée. Je n'ai pas bougé de chez moi. Et je me suis même fait livrer mes courses le premier jour où il a neigé. Voilà. Je ne voulais vraiment pas bouger. Là, je n'ai même pas été au pain. Je n'ai pas été à la boulangerie. On s'est fait des biscottes. Ça ira. De toute façon, dans le nord, ils ont prévu que lundi, il faisait 10 degrés, mardi 12. Donc, ça, on va passer les deux extrêmes. Alors, du coup, j'ai pas mal... j'ai bien brodé, voilà. Non, pas maintenant. Je commence la vidéo. Alors, j'avais prévu cette semaine. Alors, en tricot, j'avais prévu, comme d'habitude, le tricot de Chouchou, le débardeur, mon pull camionneur, mon pull fil d'art, voilà. En crochet, j'avais prévu ma couverture météo de cette année. Et la couverture météo de l'année dernière que je n'ai pas encore terminée. Ça c'était la partie tricot crochet. Et en broderie, j'avais prévu de broder le Bouddha. C'est une broderie gratuite de Sabine de Poussière d'Étoile. Les ronds bleus de chez Lanart. Ma maison météo, le salle maison météo, c'est maintenant que vous commencez à la connaître. La fleur que je brode en duo avec Céline, voilà, donc ce mois-ci c'est une rose, enfin il y a plusieurs roses dessus. Le salle du nouvel an, voilà, donc, non, ici, tira dehors après, viens la maman, allez. Pacha. Allez, les papates. Hop, voilà. Excusez-moi. Un petit problème d'attendance. oui, donc la fleur que je fais en duo donc avec Céline. Le salle du nouvel an, donc c'est un modèle Riolis, hein, le chat avec l'oiseau. Le salle mystère de Sabine, de Poussière d'Étoile. Ma broderie du jus de carotte de chez Lily Point. Mon estampé du dimanche,
Voilà, donc ça c'est le dimanche. Le salle de Julia, le Hall Forest et ma grenouille de toujours de Sabine, donc de la boutique Poussière d'Étoiles. Alors tout ça, c'est ce que j'avais prévu de faire. Maintenant, on va voir si j'ai tout fait. Alors, je mets ça sur le côté, je garde mon carnet, mon planeur ouvert. Alors, je suis là. Alors, je vais commencer par la maison météo parce que c'est celle qui est la plus encombrante. Voilà. Alors, ma semaine est faite pour les couleurs de la température. Voilà. J'ai fait mes boiseries dans les deux fenêtres ici et j'ai commencé à rebroder une fenêtre. Voilà. Donc, un petit peu à la fois, mes fenêtres avancent. Hop là, je perds mes... Ça va pas, ces trucs-là. Attendez. Je mets ça, mais ça va pas. Ça tient pas bien, ça. Hop, voilà. C'est mieux. Oui, donc un petit peu à la fois, mais j'avance mes fenêtres en même temps. Donc voilà. Là, on va déjà arriver donc à la quatrième semaine. Hein, ça passe vite. Hein. Et ici, comme cette semaine, normalement, les températures vont se réchauffer. Bah écoutez, ça devrait y avoir des plus jolies couleurs. Donc voilà. Alors ça, je vais le poser là. Ah, j'ai oublié quelque chose. Bah, je vais le chercher après. Hop. J'oublie toujours un truc, hein, vous le savez. Donc, la broderie météo, c'est bon, c'est fait. Je suis à jour. Ensuite, alors ça, je le montrerai après. Ma broderie Lily Point. Alors, je suis contente. Oh, je vais bien mettre mon aiguille parce que sinon je vais la perdre. Voilà. Je suis contente parce que. Alors, ah mince, vous n'allez pas le voir en entier. J'aurais dû le. C'est parce que j'ai déjà préparé. Ça y est, je vais vous mettre la photo de toute façon. J'ai terminé de broder la recette. Voilà. Donc toute la recette est brodée. Voilà, je vous mets à l'écran, ce sera beaucoup mieux. Il ne me reste plus que le feuillage des carottes à faire ici. Donc c'est la partie la moins rigolote, je trouve. Mais voilà, il n'y a plus grand chose à faire à part ce feuillage. Donc, je trouve toujours aussi beau. Donc là, bon, je ne sais pas encore combien de temps il faudra pour la terminer. Bon, ce mois-ci, elle ne sera pas finie, hein, ça c'est sûr. Mais j'espère que début février, j'en aurai terminé avec celle-là. Voilà. Bon, par contre, dès que je l'ai fini, elle ne sera pas tout de suite encadrée. Puisqu'il faut pour les lily points, il me faut des cadres carrés. Et à part les petits, enfin les moyens chez Action, il n'y a plus de cadres carrés.
C'est bien dommage. Donc, les cadres, je verrai. Sur Internet, j'en ai déjà vu, mais pff, ça coûte cher. Faut que je vois. Faut que je vois où je peux en trouver. À part chez le roi Merlin. Mais chez le roi Merlin, c'est pareil, il coûte assez cher le cadre. Donc voilà mes potées à carottes. Trop trop belles. J'ai beaucoup aimé faire tout ce que j'ai déjà brodé là. Je la trouve vraiment très très belle. Quand le feuillage sera fait, ben là. Ce sera top, top, top. Alors, quand elle sera finie, je recommencerai peut-être une lily point. Hein, mais bon, je verrai à ce moment-là ce que j'en ai à faire. J'en ai pas mal. J'ai pas mal de grilles que je n'ai pas encore faites. Il y en a que je devrais refaire parce que bon, je vous avais expliqué, y a eu des erreurs et là, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas faites. Cela, ça fait plusieurs années. Pour retrouver les erreurs dedans, c'est une catastrophe. Donc, je vais les abandonner et je les referai à l'occasion sur de nouvelles toiles. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Oui. J'ai avancé mon héron, enfin mes hérons, parce qu'il y en a deux, hein, de chez La Natte. Donc, je vais vous remettre la photo des hérons et je vous mets la photo également, comme à chaque broderie que je vais vous montrer, où j'en étais la semaine dernière. Donc, voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé, mais donc, je n'ai pas le nombre de points là, mais j'ai quand même fait une grosse partie. Voilà. Donc ici, si je ne me trompe pas, je crois qu'on va partir vers un des coups des hérons. Voilà. Il est très, très, comment? Très sympa à broder. Voilà. Bon, je ne vous montre pas le dos, hein, parce que moi, les dos, j'en ai rien à faire du dos des broderies. Donc, des fois, ça part un peu en cacahuète, mais bon. M'en fiche. Principal, c'est que ce soit beau devant. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont brodé, les ronds bleus de La Natte. Voilà. Dites-le-moi. Peut-être qu'il y en a qui l'avaient fait en salle. Je sais qu'il avait été donné en salle il y a quelques années. Je ne sais plus, je ne sais pas quand exactement, mais donc il y en a certains, peut-être certaines d'entre vous qui l'ont fait. Là, je sais qu'il y a le nouveau, il y a un sale qui commence bientôt là, de chez La Natte, et le thème c'est le jardin, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Enfin, je sais que ça. Le petit bout qu'il nous montre, j'ai cru apercevoir une fleur. Mais bon. Je ne vais pas le faire. Enfin, à chaque fois, je dis, oh, c'est dommage, je ne fais pas le sale de La Natte. Mais les étapes sont données trop, trop vite. Faut pas avoir d'autres broderies à faire en même temps quand on fait les salles de La Natte, je trouve, parce que c'est une étape par semaine et c'est beaucoup beaucoup trop vite. Ici,
ici, mystère et boule de gomme. J'ai fini l'étape 2, je crois. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Et j'ai commencé l'étape 3. Donc ça, c'est le sale mystère de la boutique Poussière d'étoiles, la boutique de Sabine. Donc là, j'ai commencé l'étape 3. L'étape 3 n'est pas très grande, hein. Donc il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Alors là, j'ai le nombre de points. Alors, j'ai mis où? Où est-ce que j'ai mis? Bah, c'est fort ça. Je n'ai pas marqué. Ah si, le voilà. Je marque tellement de trucs pendant toute la semaine sur mon carnet que après je ne sais plus. Alors j'avais fait 326 croix. Voilà. Et c'est une étape où il y a 600, il n'y a pas beaucoup. Il y a 634 points. Donc on va dire que je suis à la moitié. Voilà. Vous savez quoi? Il va déjà falloir faire une pause. J'en ai un qui tourne en rond. Ah, pourtant, il faisait dodo. Hein. Tu faisais dodo. Et ben voilà, le deuxième se réveille. J'y arrive. Ça y est. Les pipis sont faits. Bon, j'espère qu'ils vont dormir maintenant. Alors, donc je venais de vous montrer le sale mystère donc de poussière d'étoiles. Moi, j'en suis arrivée à l'étape 3. Et sur le groupe, ils en sont à l'étape 6. Un petit peu de retard. Ensuite. Ça, c'est quoi? Oui. Alors, bon, j'ai eu aussi pas mal Pénélope hein, cette semaine. Alors, Pénélope, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette gentille dame qui vient nous embêter dans notre broderie de temps en temps. Mais moi, cette semaine, elle est venue assez souvent. Mais bon. C'est quoi ça? Alors, ça je l'ai fait aujourd'hui. C'est encore une broderie de poussière d'étoiles de Sabine. Donc là, c'est un modèle gratuit qu'elle a donné il n'y a pas tellement longtemps. Vous pouvez le retrouver sur sa boutique avec d'autres grilles gratuites. Non, il y en a 4 ou 5, je crois, je ne sais plus exactement. C'est le Bouddha. Donc, c'est le Bouddha bleu. Et voilà. Alors, j'ai galéré. Alors, j'ai commencé ce matin à 9h30 et j'ai dû arrêter vers 13h30. Je devenais folle. Alors, je vous explique pourquoi. Là, c'est son oreille, hein, c'est le début de son oreille. Je l'ai refait 3 fois. Je devenais cinglée. Pourtant, je le fais avec mon pattern keeper. Hein, mais je l'ai refait 3 fois. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais... Alors, au bout d'un moment, la troisième fois, j'ai dit, bon, allez, je vais démarrer dans le cou, là. Et puis, oups, je vais remonter tout doucement. Là, ça a été.
Mais j'en avais marre. J'en pouvais plus. Et par contre, je me suis aperçue que les fois d'avant, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une erreur de couleur. Alors, vous voyez ici le bleu. Voilà. Ben, ce n'est pas du bleu que je dois mettre. Alors, ça, c'est la couleur. C'était la couleur combien? 37, 56. Non, attendez, je vous dis ça tout de suite. Ici. Oh, que c'est beau ça. Oh, c'est beau. je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est un abonné. Il est sur mon groupe de broderie également. C'est Ludovic. Je vous en ai déjà parlé peut-être deux, trois fois. Et je vois qu'il vient de poster ça sur le groupe. Regardez. Waouh, c'est trop, trop beau. Bravo Ludovic. Ouais, c'est trop chouette. C'est un blason de Serpentard. Hein. C'est Harry Potter. Allez, on va lui mettre un petit cœur au passage. donc, moi, je cherchais quoi? Je cherchais ici. Ouais. Donc, j'ai fait la couleur. Ah, voilà. Alors, j'ai mis du 37,55. 3755. Donc, c'est une couleur bleue. Alors que je devais mettre le 3756. C'est un genre de blanc cassé. Voilà, c'est celui-là. Rien à voir avec le bleu. Mais alors, rien à voir. Du coup, je vais devoir démonter. Alors, je l'avais mis en photo. Voilà, je vais devoir démonter tout ce bleu clair que j'ai fait. Youpi. Alors, heureusement, bon, il n'y a que la joue parce qu'il y en a vraiment partout de cette couleur-là en plus. Donc, je vais démonter ça. Et puis, je vais le refaire avec la bonne couleur. Bon, ça va, il n'y a pas énorme, énorme. Hein, il y a quoi? Il y a 30, 50, 30 ou 50 points. Donc, ça va. Mais bon, si on pouvait éviter. Alors, du coup, j'ai pas mal galéré aujourd'hui, mais même cette semaine, hein. J'ai galéré dans pas mal de broderies. Mais bon, voilà. Alors, ici, donc, je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, là. Là, j'ai dû compter, 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 hein. Parce que ce petit Bouddha, il a pas mal de nuances de couleurs et par moments, il est un petit peu confetti, mais il est très agréable à faire quand on ne se trompe pas. Ça va. Non, mais ça va. Là, je vais corriger mon erreur et puis après, ça ira mieux. Ça arrive, hein. Que voulez-vous? Celui qui se trompe, j'ai mis où la pochette. Celui qui fait, comme on dit par chez moi, celui qui fait pas d'erreur, c'est qui fait rien. Voilà. Hop, allez. Va faire dodo ce week-end. Alors, qui je ne vous ai pas encore montré. Qui je n'ai pas montré encore. Je vous ai montré le Bouddha, le héron, la maison météo. Ah oui, celui-là. Le salmistère, le jus de carotte. Ok. Alors, celui-là, c'est qui?
Ah oui. Ah mais non, 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 je ne l'ai pas sorti cette semaine. Non, puisque j'ai encore jusqu'à la fin du mois pour faire mes 1000 points. Pardon. Mais c'était le All Forest. Ça y est, je bâille. Oh, c'est une catastrophe. Je vous le remontre en vitesse. Mais voilà, celui-là. Mais j'ai rien fait dessus cette semaine. Parce que je vous avais dit, il y avait eu des erreurs. Donc je l'ai laissé de côté. Et je vais le ressortir par contre cette semaine pour terminer mes 1000 points du mois. Voilà. Donc celui-là, ça n'a pas grave. Je vais me mettre là 2 minutes. Ensuite, ça c'est quoi? Oui. Voilà toi. Ma petite grenouille. Ma petite grenouille. Alors, j'ai avancé dessus. J'ai pas fait grand-chose, mais ah, le Bouddha, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, sur mon Bouddha, donc aujourd'hui, j'ai fait 452 croix. Voilà. 452 croix, donc j'en suis à 9% 0,7. Ici, ma grenouille. Alors, ma petite grenouille, j'ai fait 277 points aujourd'hui. Enfin, cette fois-ci, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, voilà. Donc, j'ai avancé cette partie-là. Ici. Donc, c'était du petit bloc. Hein. Rien de compliqué sur cette partie-là. Mais à l'avance. Ouais, il y a encore des points dans la grenouille à faire, mais j'avais envie de changer un petit peu, d'aller un peu sur du bloc. Je vais revenir sur ma grenouille de cette semaine, hein, mais voilà. Bon, de toute façon, la grenouille, il lui manque toujours une patte ici. Je dois terminer son œil. Là, il y a encore un petit peu de points à faire. Là aussi. Voilà. Terminer sa patte là, voilà, ici, et faire sa patte qui va là, voilà. Et après, il restera le décor qui est autour. Voilà. Mais doucement, sûrement, mais à l'avance. Bon, je vous ai dit, ouais, 200. 277 points aujourd'hui et là j'en suis à 34,14%. Donc j'ai fait un gros quart. Bon, on va dire j'ai fait un tiers de la broderie. Ensuite, 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 ensuite. Qui sait, je ne vous ai pas montré encore. La grenouille, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui. Alors, je l'ai mise où? Là. Crois que c'est celle-là. Ouais. Ma broderie du Nouvel An. C'est là que Pénélope est arrivée également. Et là, je ne suis pas contente de Pénélope, mais alors pas du tout. Du tout. Du tout. Je perds tout. Bon.
Bon, je vais y arriver. Oh. Comment vous dire? Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Si, je le sais. Mais voilà. Alors, on va mettre le fil là, comme ça. Voilà. Donc, c'est le sale du Nouvel An. Donc, ça, c'est la case que je dois broder. Et à un moment, je dis, mince, si j'y arrive, il y a un problème, il y a une erreur, encore. Puis, je ne trouvais pas mon erreur. Vous voyez, parce que j'avais commencé. Alors, vous voyez, là, j'ai fait les demi-points, que j'étais en train de commencer, et j'allais redescendre, fermer mes croix. Et arriver à cette hauteur-là, je dis, mince, si j'arrive, je ne tombe pas juste. Donc, je recompte. Je recompte. Je re-recompte. J'ai un problème quelque part, mais je ne le trouve pas. Parce que là en haut, je ne trouve pas d'erreur. Et ici, je ne trouvais pas d'erreur non plus. C'est pas possible. J'ai un problème quelque part. Donc, je recompte, je regarde. Alors, du coup, je compte mes points comme ça. Je dis bon, sans bon. Je compte mes points en hauteur. Je fais, ah oui, là il y a un problème. J'ai une rangée en trop. Je dois faire 41 points et j'en ai 42. Je dis là il y a un problème parce que bon, c'est pas l'histoire d'un point qui est tout seul dans son coin. C'est que là, j'ai toute une ligne qui n'est pas bonne. Et donc, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver. Hein. Et j'avais ici, alors dans les marrons, là, j'avais décalé une croix. Je l'avais mise trop basse ou trop, non, trop haute. Enfin, bon, c'est pareil. Et du coup, ça m'a décalé la broderie, tout d'ici, à partir d'ici jusque-là, ça m'a décalé d'un rang. Donc, j'y avant de tout démonter, je vais continuer à remplir le museau du chat. Et voilà. Mais ici, vous voyez, j'ai commencé à mettre du noir. Et je devais être fatiguée. J'en avais marre de compter. Donc là, il y a quoi? J'ai 6 points en noir à faire. Pas moyen que je les pose parce que je voyais plus rien. Donc j'ai arrêté. Je vais le reprendre cette semaine hein, puisque il faut que je termine pour la fin du mois. Et je vais devoir démonter. Alors en plus, ça m'embête parce que c'est du fil de chez Riolis. Donc j'espère que je vais pas tomber en panne. Là au-dessus de la branche là donc droit comme ça et je dois démonter tout ça. Je suis verte. Verte. Donc voilà. Bon, j'ai trouvé où l'erreur était déjà, c'est ça. Mais pourtant je compte hein, mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais devoir démonter tout ça. Bon, là, ça va parce que c'est de la demi-croix. Donc, mon fil est là. Donc, je ne vais pas perdre mon fil. Mais là, par contre, c'est des petits morceaux. C'est mort. Voilà. Je vais démonter. Mais là, le fil n'est pas récupérable. Bon, bah, tant pis. Hein. Mais si vraiment, je vois qu'à arriver un moment, je tombe en panne de fil ou quoi, bah, j'enverrai un message chez Riolis ou à la maison du canevas et je verrai avec eux. Mais bon, pour l'instant, ça devrait aller. Mais voilà. Non, cette semaine n'a pas été une bonne semaine pour moi en broderie. Ça n'a pas été une bonne semaine.
Comme j'ai une de mes abonnées, elle me disait, elle dit, il faut que tu te poses, que tu te reposes, parce que j'en fais beaucoup. Et c'est vrai que bon, je fais bien, je travaille bien sur 2-3 broderies par jour, plus les tricots, tout ça, donc. Mais bon, ça va aller. Oui, ça va aller. Ça fait que 7 semaines, je dois rattraper, démonter, rebroder mon Riolis. Je dois rattraper mon All Forest et mon Bouddha. Voilà. Tout va bien, je vais bien. Alors, ensuite, dans les grands, là, je crois que je vous ai tout montré. Alors, le Bouddha, oui, le héron, la maison météo, le salle du Nouvel An, le salle mystère, le jus de carotte. Oh, pardon. Et la grenouille. Il me reste à vous montrer. Alors, il est là. L'estampé du dimanche. J'ai bien avancé. Vous voyez, je vous avais dit qu'en changeant de couleur, en repartant sur une autre partie, j'allais reprendre un petit peu de vitesse. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé un petit peu. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. J'ai changé un peu de coin. Voilà. Alors, là, la feuille, comme je vous avais dit, j'ai arrêté là. Donc, je vais le plier, ce sera mieux. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait comme je vous ai dit, hein, en quinconce, pour que quand je vais le reprendre, on ne voit pas les démarcations. Ensuite, j'ai du coup fait ici. J'ai fait toute la nervure en bleu marine, c'est du 939 de la feuille. J'ai fait du gris ici, 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 un petit bout ici. Voilà. Là-haut, j'ai fait un autre gris. Voilà, donc là, là-haut, ça monte un peu plus. Voilà. Et j'ai fait ici le rouge, là, qui va là. Donc ça, c'est un bout de la papatte du cerf. Voilà, vous voyez, c'est son l'arrière de sa patte. Donc là, j'ai bien avancé. En changeant de couleur, ça m'a redonner un nouveau souffle. Voilà. Alors, comme je vous disais, tout ce qui est vert comme ça, ici, ici, ça, je le ferai en dernier. Même si, comment? Même si j'ai fini toute cette partie-là, le vert, il y en a encore là, hein, du vert. Là. Tout ce qui est vert, ça se fait en blanc. Mais comme cette broderie va durer un petit moment, si je brode mon blanc maintenant, il risque d'être sale. Voilà. Il risque de se salir. Et donc, tout ce qui est en vert, là, le numéro 11, je le ferai, mais à la fin de la broderie. Pour pas que le fil blanc se salisse. Donc, voilà. Je suis contente de moi. J'ai bien avancé. Donc on voit derrière. Là par contre mon dos est joli. J'ai fait un joli dos. Voilà. Vous voyez, on voit mieux ce que j'ai fait. Donc voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
On en est à quoi? 40 minutes. Hop. Oh mince, j'ai oublié de remettre ça. Ah bah, ça y est, je vais le mettre là. Mais j'ai commencé quelque chose. Enfin, c'est tout petit. Criez pas, me disputez pas. C'est tout petit, 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 comme ça. Tout petit. Alors, j'ai commencé. Bon, tu vas y arriver? Voilà. Bon, oui, il n'y a pas grand-chose de commencer, mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va être très grand. Là, le fil blanc est déjà fait, mais c'est parce que c'est vraiment... Oh, excusez-moi, une petite broderie. Donc, c'est une broderie que je vous ai montrée cette semaine. C'est celle-ci. Voilà. C'est le petit cadeau gratuit qu'il y avait dans ma revue anglaise que j'ai reçu. Donc, c'est sur le thème de la Saint-Valentin. Un petit hérisson avec un joli bouquet de cœurs. Voilà. Donc, lui, je le fais un petit peu... un petit peu à la fois. Et j'ai mis mes fils... Voilà, je vais mettre à l'endroit sur un trifil de Sabine de poussière d'étoile. Donc, parce que là, les fils ne sont pas numérotés, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On vous dit en anglais, on vous dit quoi? Attendez, je cherche les mots en anglais, mais je les trouve pas. White, dark red, gray, light gray, red, light peach, peach, dark gray. Voilà, vous voyez, mais il n'y a pas de numéro et en plus on a la, on n'a pas des noms de couleurs, mais on a la couleur mais en anglais. Donc vous voyez, il y avait dark red, donc c'est le rouge foncé. Là, c'est le rouge normal. Il y avait un gris foncé comme ça, un gris clair, les de pêche, plus foncé et plus clair. Et celui-là, c'est un gris très foncé. Voilà. Donc, moi, je les ai mis comme ça, dans l'ordre qui sont mis sur le. Vous voyez, dans cet ordre-là. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup mieux. Hop. Donc voilà, j'ai commencé ça. J'y vais doucement. De toute façon, c'est pour la Saint-Valentin. Hein, donc voilà. Je ne suis pas en retard. Bon, il faut que j'arrive à le remettre. Ça, c'est autre chose. Allez, rentre. Voilà, donc mon petit hérisson, il sera peut-être fini pour la semaine prochaine, on verra. Alors, niveau broderie, j'en ai terminé une, voilà, elle a pris son bain, j'ai fait tous mes points arrière et je l'ai déjà encadré, voilà, hop, on va essayer de ne pas mettre trop la, voilà. Ça reflète. Ah, on voit la télé. C'est une brodeuse américaine. Voilà. Donc ça, c'est la série de 8 fleurs que je fais en duo avec Céline. Donc ça, c'était la fleur numéro 4. Puisque je vous avais... Alors, on a commencé en janvier. On a commencé quand? Novembre, pardon. On a commencé en novembre. Donc, on a déjà fait la 1, la 2. Là, c'est la 4. Parce que moi, j'avais plus la 3.
Donc là, je l'ai reçu. Donc ici au mois de février, on va faire la fleur numéro 3. Voilà. Donc en tout, il y en aura 8. Mais en tout cas, celle-là, elle donne super bien. Pour de l'estamper, elle est vraiment tip top. Hein. Bon, quand j'en ai chié, je voulais chier, oui. Pour le point arrière. Moi, ça ne me dérange pas hein, le point arrière. Mais il y en a tellement. Il y en avait tellement, tellement, tellement. J'en pouvais plus. Je ne sentais plus mes doigts. Je ne sentais plus mes doigts à faire mon point. Parce que je l'ai fait en une fois le point arrière. Et j'en pouvais plus. Quand j'ai fait le dernier point, je... Ah, oh, ça me fait bâiller. J'ai fait le dernier point, j'ai dit ouf, ça y est, j'ai fini. Mais alors, j'en avais ras-le-bol. Alors, c'est un cadre de chez Action, c'est un 18 sur 18 cm. Et le passe-partout, c'est moi qui le fais. C'est moi qui l'ai fait. Les anciennes comme moi se rappelleront de ce que ça veut dire quand je dis c'est moi qui l'ai fait. Alors, le passe-partout, je l'ai fait avec du papier cartonné que l'on a dans un bloc de chez Action où il y a du papier blanc, du craft et du noir. Donc, c'est les pages les plus épaisses puisqu'il y a plusieurs épaisseurs de pages dans ces blocs. Et alors, quand je le fais, le passe-partout, je prends la vitre, je pose la vitre sur mon papier cartonné, j'entoure, voilà, je découpe mon carré. Et après, je compte 3 cm de chaque côté pour évider le milieu ici. Donc là, là, ici et là, il y a 3 cm. Voilà. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup celle-là. On la met bien là pour pas qu'elle tombe. Bah, écoutez, oh, moi, j'ai oublié de vous montrer là. J'ai oublié de vous montrer le DP. Eh ben, on va faire le DP avant le tricot. Pas pourquoi j'ai oublié. Je suis sûre que vous êtes en train de regarder la broderie, mais elle nous a pas montré son DP. Mais il est où son DP? Il est là, le DP. J'ai complètement zappé. Mais alors, complètement. Prendre mon petit bonbon, tiens. Ça du bien. Bon, allez. Donc, niveau broderie, ben, voilà, j'ai montrer, oui, c'est bon, vous avez tout vu. Le DP, enfin. Bon, de toute façon, je pense que je vous aurais mis un message au début de la vidéo, comme quoi j'avais oublié de vous mettre le DP. Bon, c'est pas grave. Ça changera. Voilà. Voilà le DP. Alors, vous voyez, je suis à jour. Alors, il y avait celle-là, la dernière fois, que je n'avais pas fait. Je n'avais pas eu le temps. Donc, je l'ai faite. Et là, on a fait la 2 et la 4. Alors, la 2 et la 4. Alors, je crois que c'était ça. Et deuxième œil. Je sais plus. Ah bah oui, mais vous êtes dans mon... C'est dans mon téléphone. Je sais plus. Bon, je vous remettrai la photo de toute façon. Donc, voilà. Il est toujours aussi brillant. Alors, il y a une petite perle qui m'embête. Là, il fallait mettre cette couleur-là. Mais je vais l'enlever, je vais remettre un couleur saumon parce qu'on dirait qu'elle a un spin là en plein milieu de la tête. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette couleur là pour donc ça je vais le changer. Voilà. Donc je vais vous laisser choisir
deux numéros, voilà, peut-être que j'en ferai trois, hein, je verrai. Donc il vous reste, alors je vais vous mettre la liste à l'écran, mais il vous reste le 1, le 3, le 5, le 6, le 8, le 10, le 12, le 13, le 14 et le 16. Numéro complémentaire. Donc voilà. Non, mais j'aime bien. L'agréable affaire. Bon, à part cette petite perle là qui n'a rien à faire là. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, vous aurez vu le DP. Je sais pas pourquoi je l'ai complètement zappé, mais. En diamond painting, je n'ai rien fait d'autre cette semaine. Je n'ai rien fait d'autre cette semaine. Je serai peut-être de faire un DIY la semaine prochaine. Je verrai. Maintenant, on va faire le tricot et le crochet. Alors, attends, je vais fermer mon carnet un petit peu. Je reprendrai après si j'ai besoin. Non! Oui, entre deux. Avant. Alors, vous n'avez pas été nombreux à regarder, à mettre des commentaires sur cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez. Pourtant, il y a des vues. Mais je crois que celle-là de vidéo a pas été plutôt un flop. je vous ai montré, je vous remettrai dans le i en détail. Donc, c'est ma revue que j'ai reçue où il y avait en cadeau justement le petit hérisson. Voilà, qui était avec cette revue-là. Et donc, vous pouvez la voir en détail dans une vidéo précédente. Ça, elle doit remonter à 3-4 vidéos en arrière, je crois. Mais j'aime bien parce qu'en plus il y a beaucoup de black work pour une fois dedans. Et ouais. Vous voyez des black work comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est le seul achat qu'il y a eu, hein. Il n'y en a pas eu d'autres. Je vous ai présenté également sur une autre vidéo. Un ensemble broderie aimant aiguille et trifil que j'ai acheté chez Sabine. Voilà, donc c'est un petit lapinou. Vous la verrez également. Il y a une présentation de ces articles dans une vidéo précédente. Alors, ben, je vais commencer par ma couverture météo de 2024. Alors, j'espère que Obi va bientôt se remettre en promotion pour ce fil-là. Parce que, bon, normalement, je prends 6 pelotes de chaque. Hein. Mais là, je n'ai pas encore pris mes 6 pelotes de chaque. Et je vois qu'en faisant mon point là, ça file beaucoup, beaucoup. Voilà. Vous voyez déjà la violette, bah, il ne reste pas grand-chose. Hein. Et j'en ai que deux. Donc, il faut que j'en recommande rapidement. Et là, c'est la plus claire, mais c'est pareil, hein, il y a déjà une bonne partie de partie. Alors, et encore, je ne fais pas du double rang hein, cette année. Je fais un rang simple, heureusement. Hop, voilà. Donc, voilà. Alors, je vais la plier en deux, ce sera mieux. Hop, on verra mieux. Couverture météo, voilà, depuis le 1er janvier. Alors, les couleurs sont pas top, 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 top. Hein.
J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez bien les couleurs. Alors, là, ce sont des brides, première semaine. La deuxième semaine, ici, c'est de la macérée. Et cette semaine ici, voilà, ce sont des brides. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Et là, on a des brides. Là, on a des mailles serrées. Et là, on a des brides. Alors, du coup, quand je fais les mailles serrées, ça me prend moins de... Comment? C'est moins grand. Une semaine en maille serrée, ça me fait 4 cm de hauteur. Et une semaine en bride, ça me fait 7 cm. Voilà. Donc, une semaine sur deux, ben, il y aura 7, 4, 7, 4, 7, 4. Voilà. Mais les brides, ça mange de la laine. Hein. Les brides, ça mange beaucoup de laine. Mais bon, ça y est, maintenant je l'ai commencé comme ça, je continuerai comme ça, hein, je ne vais pas changer. Voilà. Mais du coup, elle me paraît plus légère quand c'est les brides. Ben oui, parce que ça fait comme des petits trous-trous. Hein. Donc, mais voilà. Mais de toute façon, cette laine-là est chaude. Hein. Alors, je viens de voir que j'ai reçu un message. Alors, je vais regarder. Je pense que je vais vous le montrer. Oui, voilà. Alors, ma belle-fille, ben, on est voisins, avec mon fils, ma belle-fille, on est voisins à 5, 6, 6, 7 maisons. Alors, il n'y a pas longtemps qu'elle brode, hein. Elle a commencé l'année dernière. Elle a commencé par l'estamper et maintenant, du coup, je suis revenue sur la broderie. Hein, mais c'est complètement décousu aujourd'hui. Et maintenant, ça y est, elle s'est mise au point compté. Et bah, elle aime beaucoup ça, voilà. Et là, elle est en train de faire une broderie. Donc que moi j'avais, vous savez, c'est le livre d'Harry Potter. Et voilà. Du coup, elle vient de m'envoyer son avancée. Je vous la montre. Hop, je cache son nom. Voilà. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau ça? Donc, bon, elle n'est pas finie, hein, bien sûr. Là, c'est la première partie. C'est parce qu'aujourd'hui, elle a fait tout le point arrière. Mais elle est tip-top. Chouette. Elle n'avait jamais brodé avant. Donc, non, non, c'est vraiment top. Voilà. Bon, du coup, je suis revenue. Sur la broderie. Excusez-moi, hein, je lui réponds parce qu'elle m'a dit quelque chose. Complètement décousue cette vidéo en ce moment, aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand elle aura fini, mais elle brode. Bon, enfin, elle est mono en cours. Hein. Elle ne fait qu'une broderie à la fois. Elle ne veut pas en faire plusieurs. Elle n'en fait qu'une à la fois. Donc voilà. Bon, on repart dans nos tricots. ouais. Donc là, bah, ça nous fait déjà 3 semaines. Voilà. Donc cette semaine, il va y avoir des belles couleurs, je pense. Comment? Puisque là, la température remonte. Donc je pense qu'il y aura des belles couleurs.
J'ai fait une bêtise sur ma télé. Bon, tant pis. Donc voilà. Mais cette semaine, je remballe tous mes fils là, qui traînent. Donc là, je suis à jour, hein. Je fais mon rang tous les jours. Pour l'instant, je m'y tiens et je vais essayer de m'y tenir jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, je ne fais qu'un seul rang, donc ça va vite, hein. Ça me prend un quart d'heure par jour. Voilà. Alors, deuxième sac. Couverture météo. Toujours. Mais 2023. Voilà. Défini mois d'octobre. Regardez, ça fait beau, hein, comme ça. En escargot. Alors, j'ai terminé le mois d'octobre. Voilà. Alors, la fin du mois d'octobre est très bleue, hein, vous voyez. Donc, j'en étais là. J'ai fait combien de rangs? Ah, zut. Alors, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 plus 8, 18 rangs. Ouais, parce que là, je fais de l'aller-retour, donc ça me fait 18 rangs, soit 9 jours, plus mon double rang de blanc. Donc, j'ai fait 20 rangs. Voilà. Le rang de blanc, c'est ce qui marque la fin du mois. Donc, ça, c'est la fin du mois d'octobre. On a le 31 octobre, là, et là, c'est la coupure entre octobre et novembre. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est pareil, j'espère que je ne vais pas tomber en panne parce que... Du bleu, du bleu, du bleu. Et là, c'est de la maille serrée, donc voilà. Je vous remets une photo. J'avais pris une photo avec moi. Oups, comme ça, vous verrez mieux. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma couverture. Celle-là, elle va du 2 janvier au 31 décembre. Mais là, bon, le 31 décembre n'est pas encore fait, hein, bien sûr. Là, pour l'instant, vous l'avez jusqu'au 31 octobre. Mais c'est cette partie-là, bah, elle est du 2 juillet au 31 décembre. La première partie, qui est, elle est en haut. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai. Elle va du 1er janvier au 1er juillet. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, moi, celle-là, je la fais en deux parties. L'autre, je verrai, hein, que je verrai arriver au mois de juillet à combien de centimètres je suis. Celle-là, je l'ai fait en deux parties parce qu'elle aurait été très, très, très longue. Elle aurait été à 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres 50, je crois, de long. C'était vraiment très très long. Donc, j'ai préféré la faire en deux parties. Voilà. Puis ça ira très bien. Et celle de cette année, ben, je verrai. Mais là, comme je fais un. Là, c'est un double rang. Mais celle de cette année, je fais un. Alors. Comment je vais dire? Je fais pas de double rang, heureusement, parce que là, elle ferait 6 mètres.
Mais comme je vous ai dit, les brides, ça fait 7 cm et les mailles serrées, ça me fait 4 cm. Donc, sur 52 semaines, je vais en avoir 26. C'est comme si j'avais fait un double rang. Voilà, puisque un rang de bride, ça équivaut à presque 2 rangs de mailles serrées. Voilà, je ferai peut-être pas 3,50 m cette fois-ci, mais je pense que je serai pas loin des 3 mètres aussi. On verra, je vous dis, au mois de juillet, je vais mesurer. Enfin, ou le dernier jour de juin, je vais mesurer. Et je verrai à combien je suis arrivée. Donc, pour savoir si je continue toujours sur le même morceau, ou alors si, je la fais aussi en deux parties. Et ça, je ne le verrai qu'arriver au mois de juillet. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Niveau crochet, ben c'est tout, hein. Oh, ça va être petite vidéo aujourd'hui. Oh, j'ai pas assez papoté. On est déjà à 1h06, 1h07, oui. Mais bon, j'ai encore le tricot à vous montrer. Et après, à vous dire ce que je vais faire la semaine prochaine. Alors, niveau tricot. Sur les 3, j'en ai fait 2. C'est déjà pas mal. Mais j'ai fait ma couverture de l'année dernière. Donc, hop. Voilà. Ah bah, pourquoi j'enlève le bouchon, moi? N'importe quoi. Hop, voilà. Donc, ça, c'est mon pull fil d'art. Voilà. Il avance. Je suis arrivée aux emmanchures. Ça y est. Voilà. Donc là, j'ai oublié de le changer, mais c'est ici, là, un rang en dessous. Voilà. Là, j'ai fait combien de rangs? 10, je crois. Oh, à chaque fois, je referme ma page. Il va falloir que je me mets un marque-page dans mon agenda. Alors, je l'avais marqué. Le pull fil d'art, oui, j'ai fait 10 rangs. Voilà. Voilà, il y a eu 10 rangs de fait avec les diminutions des emmanchures. Donc, je suis toujours sur mon dos, hein. Mais bon, ça devrait aller vite là, le dos. Voilà, une fois qu'on a commencé à faire, déjà le fait de faire des diminutions de chaque côté, ben, moins de mailles à tricoter, hein. Là, je sais pas combien il me reste après. Qu'est-ce qu'ils me disent? Donc normalement il doit me rester 104 mailles. Alors là j'ai été à 36 avant les diminutions. Donc là j'ai pas mesuré, mais je dois être à quoi? Ou à 40, je pense. Donc il me reste. Ah, voilà, pour arriver aux épaules et à l'encolure en même temps, il faut que j'arrive à 60 cm. Donc, ouais, c'est ça, il me reste 20-25 cm à faire. Ouais, 20, un bon 20 cm à faire pour arriver aux épaules. Une fois qu'on est aux épaules, ça va vite, hein. En une demi-heure, c'est fait. Et après, je pourrais attaquer le devant. Voilà. Donc, il est extrait. Je vous le montre à chaque fois, mais
Il est extrait de ce livre-là. Donc, c'est un livre de chez Filda. Tricot pour les rondes. Voilà. Je vous remettrai en barre d'infos. On le trouve sur Amazon. Sur Fildart, je crois qu'on ne le trouve pas. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà. Il n'est pas très cher. Hein. 14,95 €. Il y a beaucoup de modèles dedans. Et les jolis modèles. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Je ne vais pas le remontrer aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, ce pull, je vous rappelle qu'il est fait en, malgré que c'est un modèle fil d'art, je le fais en pingouin, la Pingo First couleur lin. Voilà. Hop. Donc, doucement, mais sûrement, ça avance. Hop, hop, hop. Allez. Ensuite, j'ai avancé sur mon pull camionneur. Voilà. Alors, j'ai fait ça ici. Voilà. Alors, je vous montre. On voit le dessin ici au milieu. Donc, c'est des côtes. 1, 2, une maille en droit, deux mailles en vert, voilà. On travaille ce pull en jersey en vert, voilà. Donc là, je suis sur le devant, le dos est déjà fait. Hein. Là, je ne sais pas combien, je n'ai pas mesuré. Mais bon, là, il y a encore un bon morceau avant d'arriver aux emmanchures et pour arriver aussi au plastron. Voilà. Donc, c'est un pull camionneur. Donc, c'est un pull qui va avoir une fermeture éclair. Voilà, avec un col montant ici, la fermeture éclair qui va aller tout le long de d'ici, devant et jusqu'au col. Donc, j'ai déjà la fermeture éclair. Hein. Je l'ai acheté en même temps que j'avais acheté la laine. Comme ça, j'étais sûre d'avoir la fermeture éclair adéquate qu'il fallait pour... Alors, j'aime bien, c'est parce que du coup, ça tombe vraiment pile poil avec les côtes du bas. Vous voyez? Je vais vous monter un peu plus pour que vous voyez bien. Alors, il est super agréable à faire. Hein. Alors, il est très léger. Alors, moi, je suis. Alors, je ne suis pas. Comment je vais dire ça? Sans vexer personne. Non. Je ne suis pas gnac-gnac, moi, avec mes vêtements. Vous voyez, de toute façon, j'ai une garde-robe au minimum. Mais par contre, quand je me fais des pulls, tout ça, j'ai intérêt à faire gaffe parce que je suis du genre à... Ah mince, je me suis accrochée. Ah, je me suis accrochée. Et donc celui-là, il est très léger et il va être facilement accrochable. Donc j'aurai intérêt à faire attention. Mais il est hyper léger, hein, vraiment. Donc celui-là, je le fais avec la laine. Cocooning de Bergère de France en couleur ocre. Voilà, elle est trop laid. Elle est vraiment très douce. Et il y a un, ouais, voyez, il y a un petit reflet dans la laine. C'est vraiment tip top. Donc, celle-là, j'ai fait combien de rangs? Le camionneur, j'ai fait... Ah, il est là. J'ai fait 12 rangs cette semaine. Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais j'ai fait 12 rangs. Je vais essayer de monter un peu plus cette semaine, si je peux,
pour ben, finir avant la fin de l'hiver, ce serait bien. Voilà. De toute façon, après, si je retricote des trucs, je vais pas, ce sera plus des choses d'hiver, hein, je pense pas. Hein, je vais commencer à faire de la demi-saison, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, niveau tricot, ben, c'est tout. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Ah, elle est là. Alors, celle-là, je l'avais dit un autre jour, je fais en 6,5. Avec des aiguilles prime. Je n'ai pas avancé sur le pull de chouchou. Il est où le pull de chouchou? Il est où? Là, il est là. Il est où? Voilà. Ah, j'ai la pelote qui coince. Voilà. Donc lui, j'ai rien fait cette semaine. Donc je suis toujours sur le dos. Sur le devant, pardon. Oui. Je serai encore sur le dos. Là, j'aurais à m'inquiéter. Je suis toujours sur le devant, mais. Bon, là, c'est pas un pull qu'il va mettre maintenant. Hein, donc. Je vais changer ma petite bavache de place. Hop. Comme c'est un débardeur, ça va être un pull de demi-saison. Voilà. Hop. Voilà. Changer ma bavache de place. Allez, ma petite bavache. Donc voilà, bon celui-là j'avancerai certainement cette semaine. Alors, bah écoutez, moi cette semaine j'ai l'impression d'avoir quand même bien bossé. J'ai fait à peu près tout, hein. Il y a que le All Forest que je n'ai pas touché niveau broderie. J'ai rattrapé mon DP, j'ai rattrapé quelques rangs sur la couverture météo 2023. Voilà. Bon, il y a eu pas mal d'erreurs quand même cette semaine. Ben, comme j'avais dit, pour le Bouddha, pour le Salle du Nouvel An et le All Forest, j'ai peut-être pas été assez attentive ou voilà, ça arrive. Hein. Mais bon, le Bouddha, l'erreur, bon, à part que j'ai refait plusieurs fois l'oreille aujourd'hui, mais l'erreur de couleur, c'était pas cette semaine, hein, c'était la semaine d'avant ou la semaine encore avant. Et je m'en suis aperçue que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Alors, la semaine prochaine, ben, on prend les mêmes et on recommence. La semaine prochaine. Oh, j'ai eu peur, je croyais que je faisais tomber quelque chose. La semaine prochaine, ben, je vais essayer d'avancer au maximum le feuillage de mon jus de carotte. Le finir, je pense pas, mais là. Oh. Voilà, comme ça, vous ne me voyez pas bâiller. ouais, faire le maximum du feuillage. Mon sal du Nouvel An, donc le chat et l'oiseau, hein, Riolis. Donc, déjà démonter ce qu'il faut que je démonte. Et puis, terminer ma case, parce que là, il faut que je finisse ma case. Il faut qu'elle soit terminée pour le. Il y a combien de jours ce mois-ci? 31, pour le 31 janvier. Donc, et cette semaine, on a combien? 28 jours. Ouais, moi je fais la vidéo le 27. Donc après, il me restera encore 27, 28, 29, 30, 30. Il me restera 4 jours pour terminer. Ça va.
Mon sale Old Forest, il faut que je termine les 1000 points, donc j'en suis à peu près à la moitié. Avancer mon héron de chez la natte, donc là il n'y a pas de nombre de points, hein. J'avance comme j'ai envie. Au minimum, j'essaye de faire 250 points sur chaque. Oh, pardon. Sur chaque broderie. Voilà. Essayer de finir l'étape 3 du sale mystère de Sabine. Voilà. Avancer ma grenouille. Donc faire minimum 250 points sur ma grenouille. Mon dragon. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais cette semaine, j'ai rien fait sur mon dragon. Mais là, j'aimerais bien cette semaine me mettre dessus. Mon Bouddha. Donc, bah déjà démonter tout le bleu que j'ai mis, qu'il fallait pas, et rattraper bah, toujours la même partie, hein, corriger cette partie-là où je me suis trompée. Si j'arrive à faire plus, je ferai plus. Ma maison météo, bien sûr, hein, ça c'est normal, c'est toutes les semaines. Et mon estampé du dimanche, voilà, donc ça c'est le dimanche soir. En broderie aussi, bah, continuer mon petit hérisson, voilà. Et j'ai besoin de préparer une nouvelle broderie qui commence le 1er février. C'est un sale que j'organise sur mon groupe. C'est le sale de Alice au Pays des Merveilles. C'est un Old Forest également. Donc il faut que je prépare ma toile, mes fils. Alors il y a la version multicolore et la version 3 couleurs. Je pense que je vais faire la version 3 couleurs. Voilà. Je pense que je vais faire cette version-là. Et bon, je vais toujours la faire sur de l'étamine, de toute façon. Donc, voilà. Comme je regarde. Alors, comme il y a une couleur, c'est de l'écru. Je vais essayer de bien choisir dans mon stock de toile, bien choisir ma toile pour que l'écru ressorte bien. Donc, c'est du. Normalement, alors de mémoire, hein, c'est écru noir et rouge, je crois, pour le 3 couleurs. Donc le rouge, le noir, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Mais les crus, ça ne va pas sur toutes les toiles. Donc il faut que je choisisse bien ma toile, ma couleur de toile. Sinon, je vous ferai certainement une vidéo de préparation, je pense, cette semaine. Comme ça, vous verrez. Alors, niveau tricot, ben, avancer le pull de chouchou, mon pull fil d'art, mon pull de camionneur, voilà. Ça change pas. Faire mon rang chaque jour de ma couverture météo de 2024 et faire, si je peux, avancer tout au moins faire la première semaine du mois de novembre 2023 sur ma couverture donc de l'année dernière. Niveau d'épée, ben, je vais faire au minimum 2 cases que vous aurez choisies. Si je peux en faire 3, j'en ferai 3, je verrai. Et je vais essayer de faire un DIY. Alors, je vais peut-être faire le DIY, c'est une décoration à poser que je vous ai présentée cette semaine dans un unboxing. C'est un oiseau avec une cage derrière lui et puis il y a des fleurs un peu partout. Si je peux, je vais essayer de faire ça. Parce que bon, j'ai quand même plusieurs DIY à faire. J'ai les aimants aussi, les aimants de frigo à faire. À moins que Chouchou veuille les faire. Bon, je ne sais pas, je vais voir avec lui. J'ai une boîte à mouchoirs à faire également. Bon, il me reste un sapin de Noël, je crois. Je ne sais plus. Non, peut-être, je ne sais plus. J'ai aussi mes papillons pour mettre dans les plantes que j'ai pas terminé. Et puis, c'est vrai, j'avais oublié celui-là.
J'ai un DIY au crochet à faire. Le lapin ballerine que j'ai eu à Action. J'ai complètement zappé. Enfin, pourtant, il n'est pas loin. Il est là dans ma boîte en face de moi. Il faudrait que je. Que... Oh là! Il faudrait que je. Mes cheveux sont électriques en ce moment, alors. Que je regarde pour le faire, le commencer. Voilà. Aussi. Ouais. Vous avez des journées de 48 heures. Alors sur 48 heures, je ferai peut-être 5 heures de dodo. Là là. Non, mais ça va. Bah écoutez, la vidéo aura été pas trop longue cette semaine. J'en suis désolée. Bon, elle fait quand même 1 heure et demie, hein, presque. Je sais pas combien. Parce que je pense que je vous aurais fait des coupures dans la vidéo à chaque fois que je baille. Oh, c'est une horreur, ça. C'est une catastrophe. Regardez mon pépère qui dort sur son dos, mais il a des petits nœuds sur son ventre. Il faut que je lui enlève. Alors, sur le ventre, c'est une catastrophe. Pour couper les poils sur le ventre, c'est dur, dur. Hein. C'est moi qui leur fais le toilettage. On leur fait un gros toilettage, un beau gros toilettage une fois par an chez le toiletteur. Mais entre deux, c'est. Parce que bon, une fois par an, puis c'est cher aussi hein, le toilettage. Une fois par an, donc chez le toiletteur. Et tout le reste de l'année, c'est moi qui leur fais. Donc, Géry, ça va parce que c'est à la tondeuse. Pas chat, pas question de tondeuse. Bon, déjà, Chouchou veut pas. Et puis, il a peur de la tondeuse. Donc, c'est au ciseau, à la brosse, au peigne, le bain. Voilà. Et Fifi, c'est la brosse et le peigne. Mais elle. Bientôt, je vais finir par la mettre dans un panier pour aller là. Parce qu'elle n'aime pas ça du tout. Mais bon. De temps en temps, il faut lui faire quand même. Bon, je crois vous avoir tout montré cette fois-ci. Je crois avoir rien oublié. Bon, il n'y a pas eu de coloriage cette fois-ci. Ma binôme de coloriage m'a dit qu'elle était OK pour en refaire un avec moi. Donc, je suis OK aussi, hein, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, il faut que je choisisse. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Et puis si ça lui plaît également, hein. On est à deux à choisir quand même. Donc voilà, il y aura peut-être du coloriage, peut-être pas la semaine prochaine, mais en début de mois, je reprendrai peut-être un coloriage. Je verrai. Et ben voilà, maintenant je veux que vous l'entendiez, c'était. Même lui, il est contrariant. Le canari. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, oh, tu as un canari, mais je n'ai pas qu'un seul canari. Hein. J'ai, enfin, si, canari, j'en ai un. J'ai deux mandarins, j'ai deux perruches et j'ai deux inséparables. Voilà. Donc, il y a du monde à la maison, en plus de Fifi, de Géry, de Pacha. Il y a du peuple ici. Moi et Chouchou, on est en minorité. Des fois, je dis, on vit chez eux, mais c'est nous qui payons le loyer. Bon. De toute façon, on voit, c'est une maison hein, où il y a des animaux. Hein, donc, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. J'espère vous faire une vidéo plus longue la fois prochaine. J'ai toujours ma vidéo whips parade à vous faire pour vous refaire un point sur 2023. Je vais essayer quand même de la faire cette semaine. Je vais tout préparer et puis vous faire ça cette semaine. Je sais pas quand est-ce que je vous la donnerai, la mettrai en ligne, mais voilà. Comme vous avez pu voir, alors je sais pas.
pas si ça vous a, cette façon de faire, ça vous plaît. Enfin, si, il y en a qu'à certaines qui m'ont dit, oui, c'est vrai, les unboxings, il y en a marre. Y a maintenant les unboxings, vous les avez le lundi. Alors, ce lundi, vous allez peut-être en avoir qu'un seul. Parce que cette semaine, je n'ai pas vu le facteur avec la. Je sais pas s'il est passé. Je ne sais pas s'il est passé. J'ai pas vu le facteur du tout cette semaine, pardon, avec la neige. Donc je n'ai rien, j'ai pas reçu de colis, sauf un avant qu'il neige. Donc vous aurez le unboxing de ce colis. Mais là, il n'y en a pas d'autre. Donc je pense que ce sera le seul de la semaine. Là, la semaine prochaine, ça va reprendre. Hein. Mais comme j'ai dit, de toute façon, même si je reçois un mardi ou mercredi ou jeudi, ou, les prochains seront filmés pour la semaine d'après, donc pour le lundi. Ça, je ne change pas là-dessus. Le dimanche, vous continuez à avoir le journal créatif, bien sûr. Le vendredi, alors comme vous avez eu, alors je vous l'ai mis vendredi ou je vous l'ai mis aujourd'hui samedi, je sais plus. Je sais plus. Mais le vendredi, je vais vous mettre une vidéo Diamond Painting, donc soit moi, soit Chouchou en train de faire un DP, un DIY, voilà. Donc ça, c'est en musique. Donc ça, je vous mets le vendredi. Et après, il faut encore que je vois pour les autres jours ce que je vais faire. Alors désolé, cette semaine, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Même à part le lundi, les unboxings que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu cette semaine? Aujourd'hui ou hier, je ne sais plus la date. Donc là, moi, je filme un samedi. Vous avez eu. Ah. Je vais regarder. Hein. Je vais regarder. Je ne sais même plus ce que je vous ai mis en vidéo. Je sais que là, je vous ai mis le dessous de verre tête de mini. Non, pas maintenant. Alors, ah là. Des fois, qu'on aille sur la tablette ou qu'on aille sur le téléphone ou sur l'ordinateur, des fois, c'est pas mis pareil. Alors, attendez que je vois. Allez. Ah, quand même. Ah, voilà, afficher la chaîne. On va y arriver. Hein. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous avez eu? Les unboxings. La présentation de la revue anglaise. Et le Diamond Painting dessous de verre, donc ça vous l'avez eu donc ce samedi, voilà. Et la revue anglaise, c'est bien ce que je disais. Allez, voilà. La revue anglaise, oui, il y a eu 375 vues et on a eu un. De trois commentaires. C'est un peu. Bon, je fais pas des vidéos pour avoir les commentaires non plus, mais bon. Trois commentaires pour 375 vues, c'est que ça, la vidéo n'a pas plu. C'est pas, c'est, je sais pas, mais bon. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. On a fait assez de blabla, du coup j'ai reblablaté 5 minutes de plus. Prenez bien soin de vous.
Si vous avez encore de la neige, mais je crois que cette semaine, il ne devrait plus y en avoir, mais quand même, soyez prudents. Et puis, ben voilà, hein. Faites bien plein de broderies, plein de tricots, plein de belles choses. Ceux qui sont sur mon groupe, n'hésitez pas à venir me les montrer. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, venez vous inscrire. Le lien est en barre d'infos. Donc, il y a le groupe de Diamond Painting et il y a le groupe de broderie, broderie, tricot, crochet, couture. Voilà. Bon, le groupe de Diamond Painting, en ce moment, il est un peu... Voilà, comme ça. mais bon, des fois, il y a tellement de groupes sur Facebook aussi. Et moi, je ne peux pas être là toutes les 5 minutes pour animer les groupes non plus, pour répondre à tout le monde. Donc, je sais qu'il y en a bah, que du coup, ça leur plaît pas. Du coup, ils répondent pas, ils mettent pas de message ou ils quittent le groupe. Mais bon, tu quittes. Voilà. Bah, écoutez, j'attends plein de commentaires. Je suis à jour dans mes commentaires, alors vous pouvez y aller. Plein de commentaires, plein de pouces, petits pouces. Pensez à mettre votre petit pouce quand vous regardez la vidéo, quand vous mettez votre commentaire. Voilà. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.